Le CHU de Brazzaville est devenu un véritable mouroir, un coffre-fort d'insalubrité où règne la loi des moustiques, des cafards et enfin des rats, à l'image du dictateur Denis Sassou Nguesso. Cet établissement a bénéficié des financements de l'État. Malheureusement, aucune avancée significative n'a été constatée. Une classe politique démissionnaire, un ministère de la Santé qui n'a que deux noms. Le dictateur Denis Sassou Nguesso et sa famille se soignent dans les meilleurs hôpitaux en France avec l'argent du peuple congolais. Le CHU de Brazzaville, le Congo que nous voulons. Non, je dirais plutôt le Congo qu'ils veulent. Pour nous soutenir, nous vous invitons à vous abonner. Abonnez-vous les amis.